Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un essai avec un petit ustensile, un jeu que j'avais offert à mes garçons. Ça remonte parce qu'ils sont presque majeurs. Il y en a un majeur et l'autre presque. Et on a fait du tri dans le grenier. J'ai retrouvé l'appareil en question et je me suis dit que ce serait peut-être sympa de tester. Donc, pour tester cet appareil, je ne vous le dévoile pas tout de suite. Hein. Vous le verrez dès que je vais m'en servir durant cette vidéo un peu plus loin. Il me faut une base. Donc c'est pour faire une carte, je précise quand même. Il me faut une base de 15, une carte de 10 sur 15. Donc je découpe à 10 et normalement elles font 15. Oui, presque 15, ça ira. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à faire en découpe. En tout cas, en découpe qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, dessus, j'ai envie de coller. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. J'ai retrouvé ce livre-là qui était abîmé, qui avait beaucoup de pages d'arrachées. Et regardez ces merveilleuses images. Elles sont superbes. En tout cas, moi, j'adore. Donc, je vais récupérer une de ces images. Il m'en faut une petite parce que c'est une base de 10 par 15. Je vais prendre celui-là. Donc, comme il est très abîmé et qu'il lui manque des pages, je ne m'embête pas. Je lui enlève sa page. Et je vais venir découper. Alors, pour faire le grossier, je vais prendre. Non, je vais prendre l'autre parce qu'au niveau de la taille, ça va être mieux. Il faut mieux qu'elle soit en paysage. Pour faire le grossier, je prends mon ciseau qui ne craint pas. Donc, ça, je le garde pour plus tard. Et pour faire ma carte, donc je vais découper en détourant un peu grossièrement parce que je veux garder un petit peu. Là, je vais découper en suivant la ligne de la colorisation. Je prends ses cheveux. Je viens lui prendre son petit nœud des cheveux. Ensuite, je vais reprendre en suivant ce même nœud. Voilà, je vais suivre encore une fois ses cheveux. Et on va continuer la découpe en accéléré. Je mettrai une décoration et ce sera ce qu'elle regardera avec autant de douceur. Donc je vais mater avec un fond ici. J'ai choisi ce fond-ci que j'ai pris dans le bloc de chez Action, le Design Pad Floral. Voilà. Alors, je vais prendre 10. Ça fait 9,5 en largeur et 15, un peu moins de 15. Donc si je mets 14, ça va le faire, je vais mettre 14. Il fait quand même un peu moins de 15 et je voudrais qu'il y ait plus que. Voilà. Donc, pardon. Alors, je vais est-ce que j'arrondis mes angles parce qu'après pour le. Non, je ne vais pas les arrondir. Je vais coller ça. Alors, dans quel sens déjà? Non, je vais mettre le vert plutôt. Oui, je colle le vert.
Voilà, je viens mettre la petite fille au-dessus. Forcément, si j'ouvre pas le tube. Là, je l'applique bien. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre encore le décor en bas, parce que le décor en bas, je vais le mettre en 3D. Mais pour l'instant, je ne peux pas le mettre, parce que le 3D ne passe pas. Dans l'appareil que je vais utiliser. Donc, je range le petit bout du canard, je jette mes chutes de papier. Maintenant, je vais vous faire voir. C'est cet appareil-là. Donc, cet appareil-là, c'est un appareil pour faire des puzzles. Et donc, on le règle. On met la carte, voilà, hop, on le cale la première pièce et on appuie. Je suis désolée, ça fait du bruit, je vous mettrai en accéléré pour les suivantes. Hein. Donc je vais quand même vous faire voir, hop, il y a de la paume, voilà la pièce. Donc elle sort au fur et à mesure. Je vous le fais et je mettrai un accéléré pour pas que vous ayez le son. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir toutes les pièces? Déjà, on va les remettre à l'endroit. Et là, et voilà, nous avons le puzzle qui est refait. Moi, maintenant, dessus, je vais m'amuser à mettre mes décors en 3D et à les poser dessus. Et je vais essayer de trouver des petites fleurs, pas trop grosses, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles soient plus grosses que... Je vais récupérer mon pistolet à colle qui est chaud et je vais travailler maintenant. Je vais me remettre debout parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors, enfin, plus exactement, je ne vois pas si vous voyez ce que je fais. Donc, je vais enlever mes petits bouts de trop. Là. Alors, tout petit point de colle ici. Je vais récupérer lui, le passer sur la tâche en fer. Remettre pareil derrière un tout petit point de colle. Tout ça pour cacher la tâche en fer. Voilà. Et moi, je trouve que c'est sympa comme ça. Un petit point de colle en essayant de ne pas aller sur deux pièces en même temps. Et on colle le petit nœud. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux démonter la marguerite? Toc, ça c'est le dessous. Ça c'est le dessus, enfin les pétales. Et ça c'est le dessus que je vais découper. Voilà. Et que je vais recoller à l'intérieur.
Donc, je reprends, puisque mon téléphone a encore fait des siennes. Il va vraiment falloir que je réinvestisse en téléphone. Maintenant que nous ne sommes plus bloqués, je pense que je vais pouvoir revoir ça. Donc, j'ai bien envie de lui mettre cette marguerite ici, comme ceci, comme si elle allait l'effeuiller. Hop, oui, comme ça. Donc, ça, je le recollerai au-dessus. Et donc, elle sera en train d'effeuiller la marguerite. Moi, je trouve ça sympathique. Et les fleurs, les autres fleurs, et ben ma foi, on va les coller là en petite cascade avec la feuille en dessous comme ça. Là. Bon, c'est à peu près puisque tout pour l'instant, rien n'est collé. Donc, je démonte également toujours de la même manière. Et je garde ça si je veux refaire un jour un peu plus en 3D. Je démonte. Voilà. Le temps que mon pistolet à colle chauffe, je vais chercher les strass que j'utilise pour mettre au cœur. Et aujourd'hui, je vais utiliser dans cette boîte qui vient d'Action des cœurs qui soient. Alors, est-ce que je mets cette taille-ci? Faire un cœur jaune. Si j'y arrive pas à le poser. Oui, c'est la bonne taille. Donc il m'en faut 3 jaunes, 2, 3. Voilà. Le pistolet, c'est bon. Alors, je reprends. Je vais mettre un peu de colle sur la pièce sans dépasser. Je viens coller la première partie de la marguerite, puis la deuxième et enfin la dernière. Ouh, c'est chaud. Ne pas mettre ses doigts dans la colle, c'est ce qu'on dit, non? C'est pour ça que j'interdis à mes loulous de toucher aux activités quand je leur fais avec du pistolet à colle. Là, je leur dis, tatat, elle le fera pendant la sieste. Et bien, tatat, elle le fait pendant la sieste, mais elle met les doigts dans la colle. Alors ça, je vais glisser la colle sur la feuille et je vais venir coller la feuille sur cette pièce-là sans dépasser. Voilà. Ensuite, celle-ci, je vais la mettre ici. Donc, je pose la colle. Je pose la fleur. Je remets un tout petit peu de colle et je mets la demi-perle centrée, si possible. Voilà. Les pièces sont comme ça. Ben, ma foi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça bien sympathique. Donc, je vais lui rajouter un petit sentiment. Donc, j'ai préparé un petit mot Sphinx. Je ne vais pas mettre comment dire, de fond à mon, je veux dire, comment dire, au sentiment. Je vais l'imprimer, enfin le tamponner directement sur le puzzle. Donc, je vais mettre tout ça dans un petit pochon, parce que je garde tous les pochons dans lesquels on m'envoie des petits goodies en fait. Et quand ils sont vides, ce qui va être assez grand, non, il n'est pas assez grand, ben, je vais être obligée de prendre le blanc donc. Donc voilà, mais le blanc, il a un problème au niveau de. Non, il a, vous voyez, le fil, il est dépassé, en fait, il n'est pas dans son emplacement. Donc, je le ferai après. Ou d'ailleurs, non, je vais couper et je vais le faire maintenant. Donc, voilà, j'ai repassé les deux liens. Je vais recouper un peu le bout parce que du coup, ils sont un peu abîmés. Ils ont été travaillés quand même par l'aiguille que j'ai passée pour les prendre. Voilà.
Et donc, je vais donc glisser les pièces dedans. D'abord, celles qui n'ont pas de décoration. Voilà. Et ensuite, sur le devant, je vais glisser mes petites fleurs. Je suis plus dans le champ, excusez-moi. Là. Voilà. La feuille. L'autre fleur. Et la dernière pièce. Et j'avais mis de côté tout à l'heure. Il me reste une pièce à mettre derrière. Et le petit nœud sur le côté. Au dos. Au dos, elle verra qu'il y a des puzzles. Et devant, elle verra qu'il y a des pièces. Et quand elle aura fait le puzzle, elle découvrira que les fleurs sont sur le puzzle. J'espère que vous aurez aimé cette petite démonstration d'un jeu qui a quand même quelques années. Hein. Il a au moins 10 ans. Et on l'avait stocké dans le garage. Je vais vous faire voir son emballage pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça s'appelle Crée ton puzzle. C'est à partir de 5 ans et c'est de la marque Top Kid. On avait acheté ça sur Amazon à l'époque. Je ne peux pas vous dire le prix par contre. Donc voilà. Dedans, il y a la machine. Il y a une notice qui est relativement simple. Parce que c'est exactement la même chose que ce que je vous ai proposé. Et il y a également des plaques de mousse comme ceci, en mousse compensée. Vous collez le puzzle, l'image dessus, et ensuite vous découpez, ça fait des pièces de puzzle. Donc voilà, je ne m'en suis pas servie parce que moi j'ai pris avec un fond de carte. Voilà, je vous remercie. Au revoir.